Bonjour à tous. Alors, il y a quelques visages familiers, puisque aujourd'hui, Oryou, c'est 550 associations, fondations, ONG qui sont déjà sur cette plateforme sociale et solidaire. Donc, à commencer tout d'abord par le nom. Oryou, c'est H pour humanité ou humanity, humanidad. Or, c'est l'expression du libre arbitre, la liberté dont nous avons tous besoin. Et You, c'est le tout un chacun. Notre équipe aujourd'hui, c'est une équipe qui s'est constituée au fil des deux, trois dernières années. Aujourd'hui, nous avons 15 nationalités parmi nos collaborateurs, 10 langues qui sont représentées. Et donc, nous avons effectivement aujourd'hui des antennes ou des pieds sur pratiquement chacun des continents. Notre but, c'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir un média social, mais qui ne soit pas que social, que virtuel, qui puisse vous permettre effectivement de communiquer, de mettre en lumière, de mettre en valeur le travail que vous faites tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui, Oryou, c'est avant tout effectivement cette capacité à vous, association, de pouvoir gratuitement bénéficier d'un écosystème dédié, d'interaction avec plus de 118 nationalités représentées parmi nos membres, des personnalités, donc plus de 200 personnalités qui sont engagées dans tous les secteurs de la société civile, pour pouvoir vous permettre effectivement de relayer vos messages, mais au-delà de ça, de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans chacune de vos thématiques un grand nombre d'associations qui existent par le monde et qui seraient extrêmement désireuses et heureuses de savoir et de connaître votre connaissance et de pouvoir tisser des liens et des partenariats. Donc ça, c'est un point très important. Alors ce qu'on fait, effectivement, on essaye de décliner les différentes possibilités pour vous soutenir. Toujours le même principe, quand on fait quelque chose, on le fait gratuitement pour le monde associatif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe aujourd'hui qui tourne des documentaires gratuitement. Donc on a déjà réalisé 15 documentaires auprès du monde associatif. Donc c'est des associations qui sont sur notre plateforme. Donc on a tourné effectivement au Maroc avec AMSIP, donc une association extraordinaire qui réintègre les enfants de la rue par l'expérience artistique de l'école du cirque ou de la gastronomie. Également, donc, on a été tourné dans le Bronx à New York, donc Green Bronx Machine, donc dans l'urban farming. On va avoir un documentaire qui va sortir dans quelques jours, Hip Hop Saves Lives. Donc c'est extraordinaire, c'est du hip-hop. Par le hip-hop, effectivement, on arrive à intégrer, à faire en sorte que socialement, le lien social soit tissé et qu'on avance d'une manière inclusive. Donc voilà, donc on tourne en Europe, on tourne à différents endroits. Le but, encore une fois, est très simple, c'est vous n'avez pas nécessairement l'argent de réaliser un documentaire pour mettre en avant ce que vous faites, ce qui effectivement est un coût en général qui peut être entre 15 000 et 50 000 euros. Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous le réalisons effectivement gratuitement pour vous. Alors, on ne peut pas effectivement faire des promesses qui ne peuvent pas être tenues, c'est-à-dire on ne peut pas réaliser 300 documentaires à l'année, mais on va en faire le maximum. Donc, en 2014, on a réalisé 15 documentaires. Et donc, si vous allez sur l'onglet Oryou TV, eh bien, vous pouvez effectivement voir déjà quelques documentaires qui sont mis en ligne pour vous donner aussi une idée du respect de la ligne éditoriale. Quand nous faisons quelque chose, nous le faisons sans biais. Voilà, c'est notre manière de faire. Alors maintenant, on va vous montrer effectivement une initiative qui est aussi très importante pour nous. C'est qu'il faut créer des plateformes, des moments de rencontre où vous allez pouvoir rencontrer effectivement ceux qui s'intéressent, ceux qui sont dans une réceptivité, une résonance liée au monde associatif, donc à la solidarité, à la réelle solidarité, mais également c'est de pouvoir vous rencontrer entre vous, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui par l'initiative de WebAsso. Donc c'est vraiment très, très positif. Alors je vais vous passer une vidéo. Alors je ne sais pas comment on peut enclencher le... Voilà, c'est la partie un peu technique. Si, si, voilà, elle est là. Tac. Voilà. Donc ça dure une minute et quelques. Bringing to them education and help them to become the citizens of the world. I want to achieve something for the good. Les workshops du CIGEF, c'est des tables rondes dans lesquelles les gens se rencontrent, se font face et se parlent. I think there's a really interesting opportunity to bring more entrepreneurs, more business, more market forces into the social good space. It's a very good opportunity for us
from Brazil to show our work to the world. So we are very happy to be here. J'ai vu des gens de tous les pays qui se sont retrouvés ici. Irresponsable no significa no decir todo lo que piensas, sino la responsabilidad es asumir las consecuencias de esa responsabilidad. Il y aura des porteurs de projets qui présentent leur travail et qui participent à un concours qui leur permet de gagner un prix pour pouvoir mettre en place leur projet. Avec la solidarité, on peut faire bouger les choses. Voilà, donc le CIGEF, c'était 50 stands mis à disposition gratuitement auprès du monde associatif. C'était 2500 personnes sur 3 jours. C'était 150 membres associatifs internationaux qui ont été hébergés. Oui. Ah oui, voilà. Donc la bonne nouvelle, effectivement, c'est que par rapport à l'impact qui a été très positif, c'est-à-dire plus de 100 partenariats entre le monde associatif, des porteurs de projets innovants, au bout de 15 jours après le CIGEF 2014, eh bien on va faire le CIGEF 2015. Donc ça va se passer au bâtiment des forces motrices en octobre 2015. Et évidemment, le principe, c'est qu'on ne peut pas inviter tout le monde, parce que logistiquement, alors tout le monde est invité évidemment gratuitement à venir, mais simplement pour mettre des stands à disposition. Donc c'est les associations qui sont présentes sur la plateforme, suivant tout simplement des critères de participation. Alors l'autre élément, c'est global. On espère effectivement toucher le plus grand nombre de personnes au niveau international. Je passe rapidement parce que c'est court. Et alors l'autre point, c'est une autre nouvelle qui est très importante, c'est qu'on va faire un village culturel, art, culture et diversité pendant le Festival du film à Cannes. Là aussi, où nous allons inviter un certain nombre d'associations, où nous allons mettre à disposition pendant 1, 2, 3 jours à ceux effectivement qui arriveront à venir, des espaces dédiés au cœur même de la Croisette, où il y aura effectivement pendant le Festival du film, comme on le sait tous, plus de 4000 journalistes, donc pouvoir vous donner de la visibilité, faire en sorte que ça puisse vous soutenir à différents égards, à différents niveaux. Voilà, merci à vous pour votre attention. Bravo et merci beaucoup.